Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle session de Trinity Fusion. Très très cool, dis donc, cette première découverte, cette première session découverte, c'était cool. On va essayer de voir si on peut pas aller plus loin. On a atteint le boss, le premier boss, au tout début. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était où moi? Total 51. Ah non, ça c'était moi. Mais pourquoi ça c'est toujours là? Supprimé, oui. Hop là, reprenons notre sauvegarde normale. On était arrivé jusqu'au premier boss de la première zone et on s'est fait casser la gueule. C'est dommage parce qu'on avait un build, il y avait quelque chose. J'ai senti que il y avait un truc. Ah, du coup on a atteint le boss, peut-être qu'il se passe quelque chose là. Ah, j'ai une arme. C'est quoi mon arme là? Le splash? Bizarre, on va voir. Donc, c'est donc Maya. C'est son vrai corps. Pourquoi a-t-elle abandonné son corps et être une voix dans ma tête? Pourquoi n'avez-vous pas pu l'envoyer en personne? Le processus de la Trinité relie une personne à ses répliques. Tant que vous êtes liés, tu ne peux pas te faire tuer dans ton univers tant que Maya va bien. Et je veille sur elle. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est pour ça qu'on revient. Ok. Pourquoi cet air si triste? Sendara ne répond pas et retourne au travail. Apparemment, mal à l'aise. Ah! Chelouche. Amélioration psychique. Je crois qu'on avait du pognon, non? 21. Oui, on peut augmenter des trucs. Les chances de crit. Et là, on augmenterait à 20%. Vous êtes à la fin d'un niveau avec 25% de mes PV, ok. Peut-être que je peux prendre ça. Plus de vie. Allez hop. Adjugé. Vandou. Est-ce qu'il y a des discussions en toi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, et Jean-Jacques. C'est un peu grand leur truc là. Pourquoi pas, mais... Amplificateur. Toujours pas. Est-ce que je peux pas les soigner, les choisir, je veux dire? Non, non. On les déverrouille en fait au fur et à mesure. Tel qu'ils meurent un peu à ta place à chaque fois que tu échoues. Je dis que j'aimais les histoires heureuses. C'est peut-être un peu le cas, ouais. J'imagine que ça lui prend de l'espérance de vie. Peut-être, ou un truc comme ça. Ou elle a des cheveux blancs à la fin. Non! Alors, si je comprends bien, il y a Maya, moi et encore deux autres personnes. Une réplique dans le surmonde et une dans l'hypermonde, c'est ça? Pourquoi est-ce que je ne les ai pas rencontrées? Tu es la première avec laquelle nous avons pu nous connecter. Mais tu as raison. Il y a deux autres. Une fois que tu auras restauré la lentille de l'hypomonde, nous devrions être en mesure d'établir une connexion avec elle. Continue d'aller vers cette lentille. Ta progression est excellente. Bah, on y était presque tout à l'heure. On y était presque. Dis-moi en plus au sujet des trois énergies. La vie, les patterns, l'esprit. Ah, les schémas. C'est comme ça qu'on dit? Oui, oui, oui. Prime maintient les trois en équilibre. C'est pour cela que, dans Prime, nous pouvons vivre confortablement. L'hypomonde est riche de vie, d'énergie, l'abondance physique et de la croissance. C'est pourquoi il est riche en ressources. C'est aussi pourquoi il est aussi devenu si riche en bêtes. En monstres. La traduction qui s'est enfuie. Ouais, la trad, des fois. Bon, ouais, c'est l'early access. Hein. Ça fait quoi, un mois et demi? Non, pas en bas. Alors, c'est stylé. C'est stylé un peu ce hub, mais bon. Un peu long, quoi. C'est un peu grand. Un peu chiant. Je veux juste lancer une game, c'est trop long. Oh là là, il faut attendre 14 secondes, hein, c'est trop long. Ok. J'ai quoi là? La boule magique. J'ai pris un dégât? Ma gueule. Il se fout ma gueule. Mais... Relou elle. Ok. Ok. Bon, on est censé pas plus prendre de dégâts sur ce niveau là. Ok. Ah.
Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Du pognon ou du soin? Vas-y, on prend un soin. Bon, on va prendre. Hein. Donc là, on n'a pas de soin, d'autres moyens que se soigner que ça. La puissance. En général, quand je dis ça, je maîtrise, c'est le moment où je prends un hit. Mais c'est pas que toi. C'est moi aussi. Il faut pas trop le dire en vrai, parce que ça tourne mal à chaque fois. Il faut pas qu'il fasse ça. Faut pas qu'il coupe la musique quand on est dans le menu là. C'est trop violent. Un peu cringe. Ah, c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Amélioration. Frappe rapide. La vitesse d'attaque. Perdez des pièces à la place des PV quand vous êtes touché. C'est vrai que c'est fort ça quand même. Hein. Quand vous ouvrez un coffre. Non mais la vitesse d'attaque quand même. Tout à l'heure hein, ça aurait été pas mal. Bon de toute façon vitesse d'attaque c'est bien. Quoi qu'il arrive. Tout le temps. Attention. Ok. Concentré, hein. Ok, il y a une crit là. Y'a pas de dégâts par terre? Ah si si, il continue à cramer quand même. Petite épée là. Y'a un truc là? Ah si, ok, c'était le signe pour la téléportation. J'avais pas vu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tir glacial, ah bah très bien. Je préfère. Est-ce qu'on a tout revu? Ah, je pouvais aller là? Comment ça? Ah oui. Attends pour moi. Calme-toi. On peut continuer vers le bas. Maybe par là, peut-être plutôt. Ah! Mieux. Qui dit mieux? Mieux. Stylé. Les effets de lumière sont vraiment cool, hein. Ça me plaît. Brut! Vos chances de coups critiques sont 20% plus élevées contre les ennemis affaiblis. Armure dorée, vous perdez des pièces à la place des PV. Bah, c'est pas mal, mais. Je sais pas. Hein. Ah, je sais pas. Hein. Et ça, ça fait quoi? Ah, attends. Ruissellement. Les chances qu'un ennemi laisse plus de pognon à sa mort sont augmentées en fonction des pognons que vous avez déjà. Ah. Le problème, c'est que pour changer d'arme, un des moyens, c'est ça, quoi. Gladiateur. Après avoir terminé une arène, oui, bon, vous changez de coup critique, hein, moi j'aime bien ça, quand même. Hein. Parce que vous infligez des critiques aux ennemis ordinaires, il y a 20% de chances de les tuer instantanément. Ouais. Comment je fais pour choisir? Comme ça. Bon, on reste sur les crits. Vu. Convertis les projectiles en santé. Et j'ai déjà un nom. Ok. Je l'ai plus? Mais quoi? Oh le bug! Oh le bug! Je suis allé trop vite! J'ai perdu mes deux soins du coup. J'en ai utilisé un.
Ah là, je me suis fait BZ. Comme le canap. Terrible. Terrible désillusion. Ok, on va monter. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le truc que j'ai laissé. Salut mec. Je l'ai pas vu amorcer son attaque. On va prendre un soin. Tout est pardonné. Enfin, tout n'est pas pardonné puisque j'ai pris des dégâts comme un con. Pas grave. Ok. Isolement. Après un coup critique, l'ennemi est électrifié. Les objets de soins que vous transportez, que vous trouverez, ou... Ah oui, c'est vrai, ça c'est mieux. Les amis isolés n'ont pas d'autres ennemis reçoivent plus de dégâts. Ah, je sais pas pourquoi, je venais plus sur tes lives. Ma wishlist team grandit trop vite quand je suis ici. Je sais pourquoi je venais plus, hein. Mais tu peux juste aussi venir pour le plaisir. Pour le zizir, quoi. Pour le zizir de découvrir des trucs. De toute façon, il y a tellement de trucs à découvrir qu'au bout d'un moment, tu te laisses aller et puis de toute façon, tu sais, tu pourras pas faire tous ces jeux. tout va bien. Tout va bien. Tu veux que je... Tu vois, on va faire un truc. Regarde. YouTube, détends-toi aussi. Ça va bien se passer. Tu n'as pas à acheter ce jeu. Tu peux juste regarder. Et tu peux même regarder en boucle sur YouTube. C'est pas incroyable? Waouh. Tout va bien se passer. Détends-toi, Waze. Détends-toi, YouTube. Tu es dans trop de bonnes mains. Des bisous. C'est bon. L'hypnose est absolument totale. T'as vu ça un peu? Ouais, non, mais j'ai fait... Qu'est-ce que c'est? Ok, cassage de huc. Vous êtes content? Convaincu. Je vais donc de ce pas ne pas acheter le jeu. Voilà, tu vois? Il a tout compris. Au secours! Comment ça, au secours, il marche pas? D'où ça marche pas? Mais pourquoi les points de chaîne ils marchent pas? Allô? Bah, ils sont où? Mais il est où le secours de. Au secours? Eh ben oui! Non, mais t'es censé le faire là! Oh là là, les points de chaîne là! Bah, y'a plus de points de chaîne! C'est moi ou Twitch, c'est n'importe quoi en ce moment? Les commandes, les machins, les trucs... What the hell? La vérité? Voilà là! Mais c'est moi qui l'ai rajouté! C'est moi qui l'ai fait manually. Mais on dirait que c'est sur Twitch que ça marche pas. Mais pourquoi? J'ai fait une glissade de la moitié. Oh... Ouais, je sais. De toute façon, qui a besoin de commandes quand on peut économiser les points de chaîne? C'est vrai que c'est tellement fort d'économiser. Je me disais, voilà là, pour dire que j'ai tout cassé à haut. Mais non, mais... Ah ouais, non, y'a rien qui marche. Bah, super. J'avoue, je sais pas trop quoi faire. Hein. Parce que même moi, là, d'ici, quand je les lance, d'ici... Bon, de toute façon, si ça marche pas pour vous, je vois pas pourquoi ça marcherait chez moi. Merci. Le jour où tu mets une grosse récompense et bam, c'est la grève. Bah oui, mais j'y peux rien, les gars. Bah bon, tombé dessus cette histoire. Une vague de foudre frappe toutes les plateformes infligeant des dégâts d'électricité aux ennemis. On va prendre ça plutôt. On va continuer à augmenter nos trucs jaunes. Ah, je suis à 10. Waouh. Couché à haut. Comment c'est possible ça? Mais... Aveugleman? Oui. C'est moi, c'est Aveugleman. Et ça me coûte de l'argent, c'est ça? Restauration partielle. Est-ce que je veux payer 100 PV pour ça? 100 pognon pour ça? Bon, on verra. On sait qu'on peut se soigner. Alors que là, ça coûte 150. Ah. Griffe de foudre. Ah! C'est la grève. Ah bah ça y est, c'est parti. Ah moi, en tout cas, les commandes marchent. C'est déjà pas mal. Bon, y a rien qui marche en, en même temps, mais... Et
C'est pas possible. Ah ouais, ça, pour... ça t'inquiète pas. Non, les points de chaîne. Je vais essayer de voir ce que ça fait. Et c'est ça. C'est gratuit. À l'aide ! Non, on l'a pas celui-là. Ok. 30% de bonus, c'est pas mal en vrai, mais bon. Il y a moins de portée. Elle est pas mal quand même cette arme, je trouve. Mais on peut même plus trinquer, alors que ça marchait au début. Pourquoi ça marche plus maintenant? Est-ce qu'il faut que je relance peut-être le... Attendez, je vais tenter un truc. Attends, YouTube, j'arrive, bouge pas. C'est parti YouTube. Alors, où en suis-je? Dans quelle étagère? Les points de chaîne, c'est pété YouTube. Je suis deg. I am deg. Bon, il y a plus grave d'un... Quoi? Deux trucs? Ah ouais, d'accord. Première fois que j'en ai deux d'affilée comme ça. Je vous ai soin, recevez des pièces en fonction des dégâts subis. Ah. Les objets de soin que vous trouverez... Mais c'est trop fort en... avec l'autre truc de la barrière, là. Attends. Du coup, le live va être forcément nul. Ah bah... Vraiment, vraiment, tes interventions sont de qualité premium, Waze. Merci beaucoup pour le soutien. Après avoir... Vous trouverez encore plus de pièces. Hein? Vos chances de coup critique sont au moins de 10% lorsque vous frappez les ennemis par derrière. Ça, j'aime bien. Ça, c'est beau. En fait, ce que vous aimez, c'est juste maltraiter les streamers, c'est ça? C'est ça que vous essayez de me dire. Oh putain, je fais n'importe quoi. Je me fais ban sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes? Il s'était complètement possédé, ça, non? T'es possédé ce soir ou c'est moi? Plus de 20% de dégâts critiques contre les cibles blindées. Ah ouais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Nouvelle feature. Je me fais ban alors sur cette chaîne. Hein, oui? Mais tu ne fais pas ban sur cette chaîne. D'habitude, je me fais ban alors sur cette chaîne. C'est quoi, je comprends pas? Ah, super. Je l'ai pas, hein. Alors, je veux bien croire que je sais pas lire, mais je l'ai pas. D'où? D'où dis donc? Ok, d'habitude je me fais ban, alors sur cette chaîne j'en profite. Ah, tu profites pour envoyer des dingueries? Mais pourquoi? Mais c'est pas cool. En vrai c'est pas cool. Donc tu profites de balancer des dingueries pour, parce que je suis sympa? Mais non. Non merci. Mais pourquoi il meurt d'un coup là? Serda a un œil sur le chat, hein. Mais non, putain, mais... En vrai, ça fait trop mal à ton colo, j'arrête, hein. Bah non, mais... Bon... Ça fait pas trop mal, mais c'est pas très agréable. Si tu fais que ça, en fait. Si tu fais que ça, c'est pas très agréable, oui. Mais je suis peut-être fragile, hein. Obtenir quoi? Non, ça, moi, je veux le soin. Ah, c'est quoi ça? Émet un champ d'énergie qui vous fournit une invulnérabilité temporaire dans un rayon de 5 mètres. Oh, mais je sais pas comment on fait les autres trucs. Je sais pas, être sympa, soutenir, dire bonjour, tu sais. Je sais pas, des trucs quoi. Mais c'est peut-être pas si simple, hein. Mais d'où? D'où tu m'as... Putain, je fais n'importe quoi. Sympa, ouais. Bah, tu vois l'inverse de troll? Bah, c'est ça. Pas facile, hein, mais... Mais putain, je veux pas dash dans ce sens. Oh, c'est rigide. Oh, ça me saoule.
Bon, je me reconcentre, là, je fais n'importe quoi. J'ai pas envie de canner comme un... Oh, c'est tentant. C'est tintin. C'est très tintin. Est-ce que je... Non. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Alors, attends. Regagnez des PV à la hauteur de 10% des dégâts critiques que vous infligez. Utilisez un objet consommable augmente vos dégâts de 50% pendant 10 secondes. Réduit le temps de rechargement de toutes les capacités. Ouais, on va peut-être prendre ça, le Vampirims, j'aime bien. J'ai bien kiffé. Ah, j'ai pas envie de faire ça, là. Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est la mort? Bah si, go. Les expériences, c'est qui? Mais j'ai envie de débloquer le dernier boss. J'ai pas envie de mourir comme un caca, là-bas. Game over. Ah, peut-être, hein. Tu crois que c'est le game over, là? Ah, peut-être pas. Là, c'est le machin truc. Le machin chose. Mais putain, il veut pas... Pardon, hein, ça m'agace. J'appuie sur le dash, mais il est pas réactif. Pas autant que ce que je voudrais. Oh putain, j'avais pas vu qu'il était là, lui. Adjust. La boule magique. Alors, les chances de coups critiques sont augmentées dès que vous possédez 10 pièces. 100 pièces, pardon. Assaillant diversifié, je sais toujours pas à quoi ça sert, ça. Lorsque vos capacités de recharge se rechargent, vos chances de coups critiques augmentent de 10%. Ah, c'est pas mal, ça. Alors, mes capacités... Ah oui, RT, par exemple, c'est une capacity. Par exemple. Qu'est-ce qu'il y a en bas, là, en vrai? Je peux descendre un peu plus? Ah oui. Je peux descendre un peu plus. Salut, Mouk Mouk. Oh, putain. Arrête de bouger, arrête. Ok. Alors, je peux pas trinquer avec toi? Bah si, je peux trinquer, mais... Ouh, il va bien, le streamer. Ça va, ouais. Il est juste que mes points de chaîne sont pétés, mais... Mon logiciel pour les points de chaîne sont pétés. Du coup, ça marche pas, il arrive pas à se connecter, mon logiciel. Il s'est connecté tout à l'heure, et là, ça bug. C'est pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai pas regardé. Salut Kane, comment ça va? Ouh, excusez-moi, j'étais concentré. Oh, c'est Tandax. Les points de chaîne ne marchent pas. Ne dépensez pas vos points, les points de chaîne ne marchent pas. Mon logiciel est cassé. 25%, oui. Hop là. Hop là, hop là. Fatigué et bien travaillé. Ah, c'est cool. Ouh, un petit katana là. Ouh, sympa. Augmente vos PV de 25. Ah, ça c'est bien. Ça me plaît. S'il faut un projectile. Et ouais, 52. Il nous faut des dégâts, ouais, parce que là, ça va se voir. Ça va se voir que on est un petit peu fléblard. J'ai pas fini vraiment la zone du tout, du tout, du tout. Quoique si, ça s'est fait ici. Non, je suis pas allé en bas, là. J'ai pas une TP quelque part, là? Mais non, mais j'ai appuyé. Je peux pas en faire l'attaque, il faut d'abord que... Ouais. Oh putain, y'a un yinche. J'ai pas vu qu'il y avait un yinche. Mais putain, mais... Je m'en fous. Ah mais, elle est décédée. Collée au plafond d'ailleurs.
J'ai l'impression que... Je sais pas si c'est une amélioration. Ah, je peux me barrer. Il y a le boss là-bas. Je peux me TP à un endroit pour rattraper un peu le... J'ai dû rater pas mal de choses. Genre peut-être par là. Violons les arènes surprises quand même. C'est pas mal, ouais. En termes de challenge, c'est pas si mal, ouais. Mais il y a une zone là, là. Attends, je te montre. Il y a une zone ici, la rouge là. Morty, elle veut que j'y aille, mais c'est un enchaînement d'arènes ici. Allez, vas-y, j'y vais. Ah, j'ai envie de débloquer le truc là quand même. Et bon, peut-être qu'il faut qu'on comprenne. Oui. J'ai une classe qui commence à se former sur ton Discord. On est deux. Oh, c'est beau ça. C'est beau, Mukama. Ça fait plaisir. Et moi, je peux le faire, hein. Alors attendez, mais si vous pouvez payer des points de chaîne, moi je le ferai manuellement, d'accord? Il faut que je sois juste attentif. Rien n'est moins sûr, mais... Promis, j'essaierai de voir. Je connais pas cet ennemi. Oh mais putain, mais bien sûr! Je savais pas qu'il y avait ça, moi. La triche. Tu fais défoncer? Attends, mais il y a un truc en bas là? Elle meurt, hein, gentiment. Super. Ah, mais ça fait popper des... D'accord, ça fait popper des créatures. Ok. Ouh. Où allons-nous? Dans quelle étagère? C'est pas par là. Vraiment? Ah mais du coup je l'ai éteint. Ah mais non, je peux même pas. Ah non, je peux plus maintenant. Ne m'en voulez pas. Non mais pardon mon camarade. Oh non, il a défoncé tous ses points ce con en plus. Il a tout claqué. Pas grave, il me reste 50 000. Oh, je suis désolé, Mukama. En fait, non, mais le logiciel se lance même plus, j'avais oublié. J'aurais pas dû le redémarrer. Et le logiciel se lance même plus, donc je peux même plus le déclencher de mon stream deck. Merde. Je suis désolé. Mais c'est bizarre parce que j'étais connecté quand même. Attendez. Je retente un coup. Tu m'as dit, si je suis attentif, je savais que t'allais te mettre du temps avant de tout voir. C'était ça la blague, je sais, mais normalement... Non, ça fail to connect, ouais. Mais ça marche pas, du coup, on est d'accord, hein. Pardon, YouTube, hein. Non, y a rien, là. Bon, allez, pas grave. Qu'est-ce qu'on veut? Des consommables, je sais pas ce que c'est. Des orbes et des amplificateurs. Donc une arène, 2, 3 et 4 avec un boss. Et si on meurt quoi. Et ça c'est niveau 2, niveau 2. Des orbes, je sais pas si c'est tout ça. Un amplificateur. Pas pour un amplificateur. Il doit y avoir deux vagues. Je pense que c'est pas un... Non ? Fini ? Ah non, il me semble bien. Non ! Putain, j'ai pas pu bouger. Ah, il me gèle en plus. Oh, mesdames.
Tu veux pas attaquer? Ok. Ouh, c'est bon. Je ne suis pas décédé. Bravo. T'as testé le cadeau de Serra? Non, pas encore. Pas encore du tout. Bon, on le testera... On le testera en live. De toute façon, j'ai pas le temps de jouer en dehors des lives, donc vous inquiétez pas. Ah, c'est ça, une amplification. Ah, je crois que je viens de comprendre. Ouais, je crois que je viens de comprendre. Tout à l'heure, j'ai pris de la vie, mais en fait, c'était des récompenses. Ok. Les ennemis basiques qui vous touchent sont en surbrillance. Là, j'aurais le truc à donf. Assurance santé, comme vous êtes en coffre. Ouais. Vous récupérez de la santé. C'est pas mal ça en vrai aussi. Et du coup, ce serait quoi la récompense de ça? Inflige des dégâts critiques aux ennemis étourdis. Ouais. Healing items restore twice as much health and grant additional base damage. But healing occurs slowly over time. Healing hurts. Hand healing early. Ah d'accord, ok. Time wasters. Oh. Eh bien, j'ai pas du tout regardé le jeu, hein. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. On va peut-être prendre ça, comme ça on aura tout à fond. T'as fait le doublage de Half-Life, et qui? Bien sûr. Plutôt deux fois qu'une. Dual Amplifier. Yeah. C'est par où? Par là. Non, mais ça va pas quoi? T'es une dingus ou quoi? Appelez. Non! Oh putain. Ah, c'était une. Ah, d'accord. On peut avoir. Il n'y a pas que des dégâts. Quand j'ai tous mes PV, je fais beaucoup plus de dégâts, mais. Non. Surcharge vitale, à chaque fois que vous récupérez de la santé, par quelque moyen que ce soit, vous gagnez des points. Ah oui, c'est vrai, les chances de coups critiques sont augmentées. Ouais, mais ça, c'est pas mal, ça. En vrai, c'est pas mal, c'est juste positif. Just positif. Just two of us. Dual Amplifier. Ah, ça, c'est des... Ah, ok, d'accord, on peut avoir des combats. Un consommable. Amplificateur. Vas-y, on va prendre ça. Ah, encore un truc de... De plateforme, du coup. Oui. Et hein? D'accord. Il quoi? Il faut que je fasse quoi là? Non, c'est tout? Il était chelou le truc. Je croyais que ça allait me faire des dégâts. Là tout va bien. Ah ok. Nice. Super gain de temps. Les bouchées doubles. Si les ennemis sont touchés par une altération, ils subissent aussi 20% de dégâts en plus. Pour vous ouvrir un coffre. Réduit le temps de rechargement de toutes les capacités de 1 seconde à chaque fois qu'il y a un coup critique. Ouais, je suis pas sûr. On peut prendre ça, pourquoi pas. Allez, admettons. Hein? Mais quoi? Ah, c'est pour aller au boss direct. Ça y est, on a fini là? Ok. Ok, de nouveau le boss. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes de beau le jeu? Moult dégâts. Dégâts basiques 20% contre les ennemis qui ont tout leur PV. Vaincre des ennemis augmente les dégâts basiques. Ouais. Émet un champ d'énergie qui vous fournit une invulnérabilité temporaire dans un rayon de 5 mètres. C'est pas mal. Un soin. Dommage qu'on puisse pas en avoir deux. Et un rayon laser. Vaincre des ennemis augmente les dégâts basiques. Ça, c'est puissance 11. Ça fait quand même beaucoup de dégâts en plus. Hein. Je pense qu'on va prendre ça. Sachant que moi, j'ai quoi?
Plus 30% de dégâts de bonus contre les élites et les boss. Ah oui, mais 30% de plus, ça se vaut, hein, presque. Hein. Non, pas tout à fait, mais imagine, je me retrouve à faire du motion design à minuit alors que c'est pas mon travail. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait? Au secours. Les chances de coup critique, 27%. Pas mal, ça. Prochain niveau de puissance, 8. Ah, je me tâte. 30% dégâts bonus contre les élites et les boss. Là, je vais quand même sur un boss. Hein. Parce qu'on me délègue du travail, et qui on me maltraite. Bah oui, on dirait bien, ouais. On va acheter ça. Et vaincre des ennemis augmente les dégâts. Mais c'est pas vraiment blindé, donc bon, allez, vas-y, on va aller voir le boss. Au secours! Ok. Direct. Ouais, non, j'ai pas réussi à partir. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Après, va au milieu là. 1, 2. Ah, dommage. Bah, c'est pas tête chercheuse? Ça non plus. D'où il tourne encore plus que ça? Ah merde. Dommage, je pensais pas que ça ferait ça. 1, 2. Eh merde. Il a pas tourné autant là. Ok. Putain, mais comment je pars ça? Je m'en fous. Mais non. Ouah. Quoi? D'où tu fais ça? Oh putain.
Oh là là. Salut Mysterious. Ah désolé, j'étais tellement concentré. Merci. Nous avons réussi, nous avons récupéré la lentille. Maintenant, bouge ce levier, ce bouton. Et ça y est, la lentille est restaurée. Regarde ça. Ah, j'en pouvais plus. We did it. Je n'avais rien vu de pareil. Mais attends, il y a autre chose. Un appareil de communication. Je n'avais rien vu de tel non plus. Ça semble utile, je vais le prendre. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Allez. Coucou Mysterious. Bonjour, enfin je peux être présent sur un de tes streams, j'adore ton contenu. Ah ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci Mysterious. Mais d'où viens-tu mon cher Mysterious? Serais-tu un Mysterious de YouTube? Peut-être. Peut-être ou peut-être pas. Parce que j'imagine que si tu n'es jamais venu sur un stream, c'est que tu ne m'as pas connu sur YouTube. Oh putain, c'était stressant là. Ça semble utile, je vais le prendre. Merci pour les GG. Merci Waze. Tu vois, tu sais faire Waze. Tu sais être sympa truc. YouTube ici. Ah peut-être, hein. C'est possible. We did it. Alors, ça semble utile, je vais le prendre. Ok, ben prends-le. Take it easy. Oula. Écoutez-moi attentivement. Si vous avez trouvé ce message, vous êtes assez redoutable pour résoudre cette crise. Le plan des ingénieurs n'est pas sans faille. J'ai une autre proposition. Gardez cet appareil et je vous recontacterai. Quoi? Quoi, 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 quoi? Et qu'est-ce que c'est que ça? What? Quoi? Je l'avais dit, hein. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, tu viens de Brototo. El famoso Brototo. Alors, écoute. Pour Brototo, sache que nous jouons à Brototo tous les mardis matins et tous les vendredis matins. Voilà, dès le début, je commence toujours par une petite VOD de Brototo. Ah mais non, fallait pas lui dire ça, on va avoir droit à 200 épisodes maintenant là. comme si vous n'y êtes pas à Brototo là. Vous n'y êtes pas à avoir votre petit déj de patate. Non mais dis donc. Laquelle des 10 VOD Brototo? L'innocent. L'innocent Kane. Ah, les 100, merci. Quoi, qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. On ne peut pas faire confiance à un hewer. Un hewer. Ding, ding, ding. Ça continue. Encore et encore. D'accord, d'accord. Génère de l'énergie. Vaincre les ennemis, augmente les dégâts basiques pendant une courte durée. Je crois qu'on va prendre ça en vrai. Eh ben, cool. C'était cool. Alors, Subterraria. On aura débloqué des trucs, là. Le jeu, il est innocent. Ok, mais bienvenue à toi, en tout cas, Mysterious. C'est chouette d'accueillir les gens de YouTube. Tiens, regarde. C'est pour toi. Salut, YouTube. Voilà, je t'ai fait une doublette. Je t'ai fait une doublette. Ok. Alors, c'est pas du... Pourquoi il est rouge? Non, c'est pas moi! C'est Mysterious! Quoi? Non, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Mais quoi? Mais j'ai rien compris! Calme-toi, calme-toi! C'est triché. Non, mais pas mourir comme ça, pas direct! On trinque? Oui, bah on peut trinquer si tu veux. Ah, bah non, je peux pas! Bon, je vais essayer de réagir comme je peux. Mysterious, les points de chaîne sont pétés ce soir. Je sais pas ce qui se passe, mon logiciel de points de chaîne, il est pété. Mais qu'est-ce que je fous? Ok. Je connais pas. Bah je saurais pas ce que tu fais. On apprend pas les patterns ici. On tue. Hop 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 là, tu fais quoi là? Non non non, je crois pas. Oh bah qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi je dois vraiment dodo, mais c'était sympa de te voir gagner pour une fois. C'est vrai hein, t'as vu? Merci Waze, j'allais dire va te coucher hein. Va te coucher. Vous perdez des pièces à la place des PV. Et je crois que c'était bien ça, non? Ah, mais ça aussi c'est fort, oh, je sais pas. Tu as été extraordinaire ces dernières minutes. Regarde, bonne nuit les loulous. Mais... Je suis fier de toi, Waze. Tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux rester régulier sur un stream sans te faire ban. Je sais que tu peux le faire. Je crois en toi.
PS, je vous aime pas. Et non, ben non. Ouais. J'ai bien aimé l'épisode avec le prêteur sur gage. Ah oui, le prêteur sur gage. Attends, c'était quoi déjà la mécanique de Brototo là? Quel enfer. En vrai, c'était drôle. Les objets de soins que vous trouvez. Ouais, mais non, mais je veux ça en fait. Par contre, on pourra pas acheter de trucs. Alors, je prends pas de dégâts. Ah, on tente. Sachant que j'ai augmenté ça, donc ça fait quoi? Les chances qu'un ennemi laisse plus de poignons, les poignons à sa mort sont augmentées en fonction des poignons que vous avez déjà. Donc plus j'ai de poignons, plus il va laisser du poignon. Qu'est-ce que c'est ça, LB? Au secours! Attends, on la refait. Ouais. Ah! Ok. Ouais. Mais pourquoi ils explosent? Je comprends pas. Fallait acheter les armes pour les revendre plus cher. Et t'as capté la mécanique vague 7-8. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, non, ça y est, ça y est. Fallait revendre les trucs, ouais. Mais il était stylé. Je me souviens. Très très drôle cette mécanique de jeu. Pour le coup, c'est un... On est d'accord que c'est un truc de mode, hein. Putain, il ressemble vachement à... Au mob, là, les haches foudroyantes. Au mob dans... dans Stranger Things. Oula, non! Nom de Zeus. Je me fais rouler dessus. Au secours. Ah, je peux pas revenir en arrière? À moins que... Attendez, regardez. Hop là. Ah oui. Ça sert à ça. Vous savez pas, hein, vous me demandez. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quoi? Pourquoi je prends des dégâts? Ouais, c'était cool. Je sais plus si c'était un mode par contre. Je crois que oui. Ah, mais il laisse des... Je brûle? Non, c'est moi qui les brûle. Hein. Très étrange. Bon, de toute façon, je pense que je vais pas faire long feu. Mais c'est pas grave. Droite-gauche, vaincre des ennemis augmente indéfiniment vos dégâts basiques. L'effet réinitialisé, ouais. Ouais. Pour avoir utilisé une capacité d'attaque suivante, affichera des dégâts critiques. Pourquoi pas? Ouais, il y a des. Vous pouvez voir? Stylé. Mais non. Il y a des modes vraiment qui sont cool sur Brototo. Mais quoi? Quoi? La merde. Ah. Mais il y a un mob là, il y en a deux. Ok, excusez-moi, j'arrive, hein. Je suis avec vous, hein. Je suis tout contre vous. Ok. Bon, c'était pas si dur. Vaincre les ennemis augmente les dégâts basiques. Mais vraiment? Pendant une courte durée, ouais, ok. Non, mais j'aime bien pouvoir geler les ennemis quand même. Il fait quoi déjà le prêteur sur gage? C'est vrai, hein. Il y a trop de persos sur Brototo, moi je m'y perds. Vous trouvez encore plus de pièces. Bah ouais. Je suis partant. Mais... C'est trop fort le gel, vous avez... Mais pourquoi il meurt d'un coup, je comprends pas.
Est-ce que j'ai envie d'acheter des choses? Oui, ça, j'ai envie de l'acheter. Ah. Ah. 500. Ouais, monsieur, j'ai beaucoup de pognon quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai? C'est fait quoi, ça? Génère de l'énergie supplémentaire à chaque coup. Et ça, ça fait quoi? Mais ça aussi. C'est trop fort. Je le veux. Acheter. Acheter. Bon, ça fait moins... C'est moins vite. C'est moins rapide. Ah bon? C'est moins rapide que ça. Ah oui, en effet, ouais. Mais je fais quand même plus de dégâts. Je pense que ça se vaut. Un boost d'adrénaline. Donc là, on est pas du tout sur du brototo, comme tu peux le constater, mon cher Mysterious. On est parti sur un petit roguelite. C'est un roguelite, hein, tout de même. En même temps, Brotato n'est pas un roguelite, c'est un roguelike. On va prendre ces améliorations. Non mais... Il a réussi à tirer, quoi. Dég. Quoi? Il se laisse pas faire. Ça la stun, on dirait que j'arrive à la stun. Pas trop, c'est pas clair. Les objets de soins, quand vous trouverez, ça soigne mieux. Ça ressemble un peu à Dead Cells. Je sais pas si tu connais Mysterious Dead Cells, mais c'est un petit peu le même style de jeu. Les ennemis sont touchés par une altération et subissent aussi 20% de dégâts en plus. Les objets de soins que vous trouverez ou utiliserez rendront encore plus de PV. Incroyable. Réduit le temps de rechargement de toutes les capacités de 1 seconde à chaque coup critique. Alors attendez, parce que là j'augmenterai ça. Ça ferait quoi ça? Rechargement des capacités, moins 20%, dégâts des capacités plus 25%. Ah! Ok, si je prends ça, ça me fait ça. Ah oui. Et ça c'est quoi? 15% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes après avoir vaincu 2 ennemis rapidement. Je crois en vrai que ça c'est mieux, non? Allez, ok. Splash. Ok. Oui. ?35% des PV, ok. Ah mais oh, oh. Ah c'est un élite ça. Ok. Oh. On va le prendre. On va l'utiliser. On va garder ça. Je suis où là? Pourquoi c'est pas accroché? Et c'est pas accroché. Et c'est pas accroché. C'est bizarre ça. Bon ça accroche au bord des falaises. De la falaise. Orbiter. Ah. Oh, ça fait mal ça quand même. Mais je ne pourrais plus... Ah, mais ça fait des dégâts, l'espèce de fantôme bizarroïde là. Ok. J'avais jamais compris. J'avais pas compris du tout. À la base, je m'apprêtais à regarder la vidéo sur Gridventory. Je me suis dit, ça se trouve, il y a un stream, je vais check. J'aime tous les jeux de survie, roguelite et hack and slash. Oh bah alors là... Bah tu peux rester juste après parce qu'après on va faire un petit... Je sais pas si t'as vu aussi la VOD de Halls of Torment. Pense à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça tu auras des alertes. Oui, tu peux follow aussi. Si tu follow en fait Mysterious, tu pourras avoir des notifications quand il y a des lives. C'est le meilleur moyen de savoir. Ah, mais je sais pas. En vrai, moi, je l'ai, j'adore. Non, mais pourquoi je saute? Nullman. J'ai perdu 200 de pognon. Fuyez, pauvre fou. T'inquiète pas, Morty, merci.
Ok, ah mais on gagne du pognon hein. Et ça c'est beau ça. Dans quelle étagère là en fait? J'ai même pas pris ça? Je suis un dingus. Assaillant gangréné. Les dégâts basiques sont augmentés dès que vous possédez 100 pièces. D'accord. À la mort d'un ennemi, 20% de chance de produire une orbe de soins qui explose et vous soigne à distance. Mais quoi? Les temps de rechargement des capacités sont réduits d'une seconde. C'est trop fort? Ça c'est fort. Ça c'est fort aussi hein. Ah max 10% bro. On va prendre ça. C'est du soin quoi. Bah je follow déjà. Ah je follow déjà mais j'ai jamais les notifs de Twitch. Faudrait que je vérifie mes paramètres. C'est la petite cloche. Non là. Oh putain c'est chiant. Normalement tu devrais l'avoir hein, juste en bas du... Il y a une petite cloche en bas. Soit si tu as, si tu vas sur la souris. Après ça dépend si tu es sur le téléphone. What? Je peux passer à travers ça? C'est une j'ai l'impression que c'est une mauvaise idée. Ah si je peux. Ok ok, c'est pas une mauvaise idée. J'ai jamais douté. Pas plus de pognon. Allez, au revoir. Hein. Ah, ça m'a soigné. J'ai trop fort. 20% de chance et je l'ai eu. Il y a des paramètres de notification, oui. Coucou Marie. Comment ça va, Marie? Hop là. C'est plus simple. Et sinon, tu as le Discord si tu veux. Si tu veux Mysterious aussi, c'est vrai que on laisse des. Ouh, 3. Pas mal ça. Pas foudroyant, non, on va prendre ça. On laisse des notifications. On laisse des... Il y a une notification, ouais, de... Oh, ouais, je sais pas si je vais aller là, en vrai. Allez, on va tester. Ça va bien, ouais. Il y a toujours une petite notification de début de live. Après, si tu veux, c'est pas compliqué aussi, une Mysterious. Je suis là tous les lundis soirs, et tous les mercredis soirs, et tous les mardis matins, et tous les vendredis matins. Comme ça, au moins... Et des fois, c'est plutôt rare en ce moment, je n'ai pas trop fait des lives sauvages en plus de cela. Merci pour les horaires, Marie. C'est exactement ça. Et merde. Attendez, je bug à un centre là. Wow. Waouh, mais heureusement que j'ai le gel hein. Trop fort. Impressionnant cette programmation génétique. Marie, elle arrive, elle sera utile direct. T'as vu ça? Prenez-en de la graine. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ça? Les dégâts basiques sont augmentés. Ah oui. Ces ennemis sont touchés par une altération et subissent 20% de dégâts en plus. C'est vrai que c'est fort ça. Ça c'est fort. Vas-y, on prend les deux. Coucou à qui? Yo Marie. Ok. Un amplificateur, une arme. Est-ce que mon arme me plaît? Elle est pas si mal, mais... Ah mais on peut... Oh, je peux lever la tête. On arrive à un boss là, vraiment? Déjà? Non. Alors attendez, soit c'est une arène, soit une arène. Ah bah j'ai pas trop le choix. Bah super. Super. Je peux suivre qu'un live, je suis sur le téléphone. Ah quoi? Matin jusqu'à 16h. Oui bon, oui c'est vrai. Mais non, on arrive... Ouais, plus ou moins 16h, c'est ça. J'en étais sûr, bah tu le sais toi, tu les reconnais les infirmières. Amplificateur, on va prendre l'amplificateur. Par contre c'est dommage, je préférais, j'ai pas trop envie de faire des combats moi. Des peurs moi en combat. Doudou dis donc. Yes.
passé. Ok. C'est bon, on peut y aller, hein? Je vais avoir 100k points. C'est quand le gros point de chaîne, là? L'e-stream, Serda? Oui, ce soir, ouais. Il s'entraîne pour notre coop qui arrive. Ah ouais, trop bien. Vous allez faire quoi en coop? De toute façon, je vais pas tarder. D'ici une demi-heure max, je pense. Je faisais juste un petit coucou en rentrant de ma soirée de entre nanas. Trop bien. J'espère que t'as passé une belle soirée, en tout cas. C'est gentil de penser. Nanobots médicaux. Ok. Étourdisseur. Vos frappes infligent 30% d'étourdissement supplémentaire aux ennemis basiques. Les objets de soins que vous trouverez. Ouais, chaque fois que vous récupérez de la santé, quelque moyen que ce soit, vous gagnez des bonus de dégâts. Bah vas-y, parce qu'en plus je me soigne plus ou moins grâce au mob. Une boutique. Ah bon? Amplificateur. Comment ça, une boutique? Ah ouais. Oh, les PV max. Oui. Explosion de givre. Les griffes. 30% dégâts bonus contre les zéniths et les boss. Ah. Mais c'est hyper rapide, ça, non? Portée, il y a très peu de portée, par contre. Ça fait plus de dégâts. Ah. Un peu moins de portée. Par contre, je ne génère plus d'énergie. Et par contre, c'est pas forcément plus rapide, d'ailleurs. C'est bizarre. Est-ce que c'est mieux? Pas sûr, hein. Ah non, 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 les dégâts sont doublés. Oh là là. Au secours. Appel ordinatoire, jeu de société et 20, ça va. On a joué à chiche ou pois chiche, c'est sympa. Ah, je connais pas. Mein Gott. Jouer à Exploding Kitten. Je connais pas ça. Les jeux de société, perso, j'adore. Ouais, moi aussi, ouais. Avec Crocro, on a tout un... On a tout un... Comment on appelle ça? On a tout un placard rempli de jeux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des soirées-jeux, en vrai. Dual amplificateur. Mais je peux pas me barrer, là? Moi, je me serais bien barré, en vrai. Au secours. J'avais pas tellement envie de me battre contre 3 Ordo. Ordo. C'est là. Non, mais pas comme ça. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est ça? T'es sérieux? Vous êtes sérieux, les mecs? Dernière chance. Les dégâts basiques sont augmentés quand vous avez moins de 25%. Ok. Quand j'ai tous mes PV... Ah, mais ça, c'est très fort. Ouh. En vrai, ce que j'adore, c'est les puzzles. Non. C'est vrai, moi, j'adore les puzzles. On en fait avec Rocro. Glass Cannon. Attendez, il faut pas que je... Attends. Il faut que je fasse gaffe avec Glass Cannon, là, non? Attendez, un prochain truc, faut que je me méfie. Lentille de l'hypermonde. Ok. Du soin, on n'a pas besoin. Oh là là! Oh là là! Les élites et les boss. Qui ont tous leurs PV. Mais un champ d'un qui fournit une invulnérabilité. Mais c'est fort, ça. Faut que je le prenne. Acheter. Hop là. Je suis obligé de prendre ça aussi, ça fait tellement mal. Tant pis, hein. Je génère pas d'énergie, mais c'est pas grave, hein. Contre les ennemis basiques, bah non, là... Vas-y, hop là. Prends ça. Je sens que je vais me faire one shot. C'est quoi, Exploding Kitten? Une très bonne question. C'est stylé, hein. Très beau, hein. Ah, c'est dommage, ça rame. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, t'as pas l'air cool, mec.
Quoi? Mais non, mais tu fais quoi là? Tu triches? Ah pas, tu triches. Mais putain, ça mais non, mais j'ai pas le temps de faire quoi que ce fût. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. D'accord, super. Pourquoi je prends des dégâts d'ailleurs? Super. Qu'est-ce qu'il fait? Oh bah super. Mais je connais pas tes patterns moi. Mais pousse-toi, mais putain, elle est gelée, je peux rien faire. Mais, non, elle est tombée. Elle est tombée. Oh la loose. Oh, super. Pourquoi je prends des dégâts? C'est moi où je prends des dégâts? Je comprends pas. J'ai... Bah super. J'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. Ce boss, c'est n'importe quoi. Faut pas prendre le chat, sinon tu désamorces. Faut pas prendre le chat TNT, sinon tu le désamorces. Donc ça porte bien son nom, ouais. D'accord, ok. Mais comment ça? C'est vraiment comment ça, faut pas prendre le chat? Un vrai chat? J'ai rien compris au boss. Je n'ai absolument rien pipé. Ah, on peut choisir un autre perso. Allez, on va tester direct. Hein. Testons direct? Non, un jeu de cartes. D'accord, ok. C'est un jeu de cartes, c'est bon à savoir. Je sais pas, on sait jamais. Hein. Du corps à corps. Oula! D'accord. Elle a des griffes. Mais on est où là? Elle a pas de double saut? Hello? Bonjour, sommes-nous connectés? What? Quoi? Qui est là? Écoute-moi attentivement, je suis Maya, ta réplique dans Prime, et je suis avec les ingénieurs. Le multivers s'effondre et nous devons le réparer. C'est là que je vais avoir besoin de ton aide. Dirige-toi vers le nord. Il y aura un appareil là-bas, une lentille. J'ai entendu dire qu'il se passait quelque chose. Quelque chose est en train de changer, et pas pour le mieux. Et que les machines sont contrariées. Je vais t'aider, mais comment puis-je savoir que je peux te faire confiance? Je n'étais pas ta réplique, je ne pourrais pas te parler comme ça. Quand tu verras la citadelle, je pourrai mieux t'expliquer. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, allons-y. Mais nous, en soirée, on fait des bras de fer, on casse des objets avec nos têtes et tout. Quelle bande de bourrins, quoi. 56? Ah mais là, on est carrément dans un autre level, quoi. Ah non, yes, eux, on les connaît. Bah super. Ah mais, elle a pas de dash? Si, elle a un dash. Est-ce que je peux dash en l'air? Oui, je peux dash en l'air. Waouh! Oh les esquives quoi! Les esquives des robots! J'adore l'animation, trop stylé! C'est fini, oui! Téléportation. Ouvrir. Une arme. Plus de portée que les griffes. Vas-y. Ah, mais il y a vraiment un nouveau monde, quoi. Un monde vraiment très spécifique. Bon, après le gameplay est le même, mais étourdisseur. Étourdissant. Ok. Non, mais je voulais pas descendre, par contre. Je voulais pas descendre.
une anecdote de soirée, mais je sais pas si c'est Twitch friendly. Il faudrait que j'attende Pepper pour la rencontrer en vrai. Ça concerne le milieu de la peinture. J'ai peur. Non, non, on parle d'une soirée entre filles en pleine semaine, donc chill. on n'écrase pas de verre sur notre crâne. Pas en semaine. Les ennemis vaincus ont 30% de chance d'étourdir les ennemis proches. Ah, c'est rigolo ça. Vas-y pour voir. Je sais pas où je vais là, mais j'y vais. Ah, ça fait bizarre de pas avoir de double saut, en vrai. Oula. Une arche épée. Coup en énergie. Quoi ? Coup en énergie ? D'où coup en énergie ? Maintenir L. Maintenir Y. Bah, du coup, on n'a pas la même chose. Ah. Mais ça fait plus de dégâts quand même, ça. Moi, j'aime bien. Ah putain, le double saut qui me manque. Le double saut qui manque. Mais grave, hein. Mais grave, méga, quoi. Ça c'est très fort, je suis obligé de le prendre. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah super. Oh putain. Dommage. J'ai appuyé. Mais j'avais pas vu qu'il était là lui. Ah bah oui, super. C'est bizarre parce que des fois vraiment la... Comment dire, le dash se déclenche très très vite. Au moment où je le demande, quoi, quelque part. Il tombe pas ? Ah, c'est bien calculé. Hop là, dommage. J'ai un peu triché, j'avoue. Non, merci. Mais d'où, d'où ? C'est gentil. Il me file du soin. Oga bunga. Bah oui, tranquillou. Hein. Voilà. J'aurais dû savoir que ce serait quelqu'un comme toi. Cela ne vous suffit pas, vous les humains, de garder un œil sur nous, comme sur des enfants désobéissants. Maintenant, vous essayez de nous forcer la main dans une affaire aussi sérieuse que le destin de tout le multivers. Prépare-toi à être détruite. Qui c'est ? Intendant numéro 1. Si elle est sur nous, nous ne pourrons emprunter aucune route de surface sans se faire bombarder du ciel. Je pense que je connais une route souterraine. Allons-y. Let's go. Ok Gisèle, mais est-ce qu'on a, on a fini la map ? C'est ça ma question. Ok, je... Ouais, il n'y en avait que deux ? Vraiment ? Vraiment ? Attendez, parce que... Non, je suis pas allé là, on est d'accord. Tant de choses à prendre. Ok. J'en ai besoin de tout ça là. 25% d'attaque lorsque de plus. Donc quand il y a plus de 3 ennemis. Esquiver une attaque en attache une petite bombe. Ah oui, c'est bon ça. Ah, ça me fait penser à cette démo là. Comment s'appelait ce jeu avec le chat ninja là. Ah, et si Screams Asleep Breed Portal et ce Fusion Gate. Oui d'accord, mais je comprends rien ce que tu dis, on s'en fout. The fusion? No idea. Now if you want me to explain how the aperture is suspended, it's actually fascinating. Non mais c'est bon, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouvrir. What?
Maintenez LT enfoncé pour accéder à la roue des sexes. Quoi ? Ça y est, le jeu commence. Le jeu commence vraiment. LT. Attendez, je le fais de manière plus RP. Quoi, LT ? C'est là. C'est bon. Ok. À l'aide de trucs machin, sélectionnez l'arme ou la capacité que vous souhaitez utiliser. Puis appuyez sur des boutons disponibles pour associer votre sélection. Ok. D'accord. Tu peux rebuy. Mais du coup, je. Comment je fais pour changer de perso ? J'essaie de comprendre, hein. J'essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer là. Mais elle est où moi, l'ancienne perso, elle est où là? Bien sûr. Ah oui. C'est bloqué là. Ok, c'est pour ça que c'était pas exploré. Bon, cassons-nous. J'ai pas compris. Ah. Ah, on a le choix. Les laboratoires souterrains. À hypomonde ou surmonde. Non, on n'est jamais allé à surmonde. Que de découvertes. Que de découvertes sur cette session. En vrai, c'est cool. Enfin, je vais dire c'est trop bien, mais en fait, non, je vais juste dire c'est cool. Parce que là, j'ai pas trop compris la feature. Ah, bavarder. Exciting beeping. Kara, qui est-ce ? C'est une machine, pouvons-nous lui faire confiance ? Ah, les machines ne sont pas toutes mauvaises. Celle-ci, mon ami, il s'appelle Griff 17. Griff, je trouve heureuse de te voir. Ça fait une journée étrange. C'est une longue histoire, mais je pense que nous sommes toujours en danger. Veux-tu me suivre ? Ah bah oui, bien sûr. Et tu viens avec moi pour de vrai ? Il vient pas du tout. Tu ne viens pas du tout, Cannabis. Ok. Ah oui, c'est vrai. Et non mais... Pourquoi ? Ça a changé de place. Ah oui, c'est vrai. Non. Bah oui, mais je sais pas, moi. Mais donc ça ? Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Non mais... D'accord. Allez, je m'emmène un peu les pinceaux là. C'est bon, on peut se battre ? Wow, ok. Tu peux se calmer, oui. Bah oui, bien sûr. C'est quoi on ferait avec sans le double saut? Et combien ils sont là? Ok, je te connaissais pas toi. La triche. What? Mais comment j'ai fait ça moi? Je savais même pas qu'on pouvait laisser appuyer. Ah, depuis le début. Non, peut-être pas. C'est peut-être...
C'est peut-être mon truc là. Dans les airs. Non, c'est pas précisé. Attends. Maintenir. Ah non, ça fait charge et visée. D'accord, non, c'est un truc spécifique à ça. C'est fort. Bah heureusement que j'ai dash. Ah bah super. Ça me fait des dégâts. Bah super, Mais comment je fais pour éviter ça, moi? Ok. Et si je fais ça? Oh! T'énerve pas. Bah super. Fini, oui. Ouais, c'est un peu intense quand même là, j'avoue. Une arène ? Ils sont aussi les mobs, hein. J'aime beaucoup. Oh non ! J'ai laissé traîner ma chouille. J'ai laissé très mal la chouille. Allez, dodo. Vendredi, à vendredi tout le monde. Des bisous, Morty. Merci d'avoir été là ce soir. Belle nuit à toi. Et à vendredi, ouais. Avec plaisir. Avec le plaisir. Les dégâts basiques sont augmentés dès que vous possédez 100 pièces. J'avoue que vous récupérez de la santé. Ouais, on va prendre ça. Plus de dégâts, hein. Plus de dégâts. Pas beaucoup d'argent pour l'instant, mais... Comment on fait pour switcher de perso en vrai, moi, c'est ça qui m'intrigue. Elles ont fusionné. Du coup maintenant j'ai deux armes, mais... Mais elles n'y sont plus. C'est ça que je comprends pas. En vrai, je comprends... Non, je comprends pas le... Je comprends pas le jeu. Le jeu, c'est pas clair. Oh super! Il y avait donc la porte. Dommage. Ça doit exploser, c'est ça? Il explose pas là? Ah, je crois que j'avais pris des dégâts à cause de ça. La dernière fois. Mais en fait, non. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe! Merde, je regardais pas. Peut-être qu'ils sont boosted. Qui va canner? C'est moi!
Ah oui, c'est vrai qu'il peut attaquer par derrière. Faut que je fasse gaffe. Non. Ouh là 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 là, l'esquive. Oh. Aïe. Elle est pas mal cette attaque du mob là. Tu sais pas trop où ça va arriver. Paf. J'ai l'impression que ça va. Il va taper à gauche et en fait. Je fais pas du tout assez de dégâts là. Ça va pas. Alors c'est plus dur avec elle. Super. Bah super. Jésus Marie Joseph. Oh bah. Bon bah super. J'ai pas compris la fusion. C'est con parce que c'est quand même. C'est quand même une proposition de gameplay assez importante quand même. Comment est-ce possible? Donc là j'étais avec Gisèle et Jean-Jacqueline. D'accord. Éteignez l'hypermonde pour débloquer Gisèle. On a motorbike. Exactement. Toujours pas compris non plus. Ok, bon bah en tout cas c'était une belle découverte. C'est possible qu'on y retourne. C'est possible qu'on y retourne pour en voir plus. À mon avis, on aurait quand même fait un petit peu le tour. J'aurais quand même aimé comprendre un petit peu mieux la feature là, de fusion. Et de changement d'armes et tout ça, on aurait dit que je pouvais peut-être changer de personnage, je sais pas trop, j'ai pas très bien compris ce que c'était. Bon, ça sera peut-être plus clair quand il y aura d'autres mises à jour. C'est possible qu'on y revienne à la sortie du jeu, ça me plairait bien de tester, de voir un peu ce qu'il en est. Mais très 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 cool, vraiment très sympa. Un Letterman, c'est plutôt pas mal, même si parfois je trouve que le dash est un tout petit peu capricieux. Des moments où il se lance pas à la frame. Il y a plein de moments où je me suis pris un dégât. Il y a des moments aussi, c'est parce que j'étais pas assez réactif. Il y a des moments où j'ai appuyé et je me suis dit là, par exemple dans Dead Cells, j'aurais pu esquiver, je crois. Bon, mais sinon après c'est très joli. Une proposition, on va dire de scénar qui est là. Voilà. Bon, c'est Spider-Man Multiverse quoi. Bon, ben voilà, c'est tout. Hein. Mais le jeu est très joli, c'est sympa, c'est fluide, c'est assez dynamique. Il y a l'air d'y avoir quand même des propositions assez différentes en fonction des persos qu'on prend au départ. Il peut y avoir aussi des interactions et des combos là, dans les builds. Non, pas mal du tout. Très très bien. Très sympa en tout cas, voilà, je dirais plutôt. Une proposition de scénar qui est là, elle est là, c'est pas clair, c'est pas super poussé. On n'est pas sur un scénario extraordinaire, mais il est là. Et c'est dans tous les roguelikes, c'est pas toujours le cas. Hein. Donc c'est pas si mal. Bon, en tout cas, YouTube, j'espère que ça t'a plu. Tu as aimé découvrir ce petit Trinity Fusion avec nous. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour nous l'indiquer, n'est-ce pas? Évidemment. Et n'hésite pas également à t'abonner et à mettre la cloche si tu veux avoir des notifications de nouvelles découvertes ou de let's play en cours. Je ne sais pas. N'hésite pas à scroller, hein. Il y a à peu près à ce jour 700 VOD, donc bon, t'as de quoi faire. Des bisous, tu prends soin de toi, c'est Equilibrium, à bientôt, ciao ciao.